Monsieur Borloo, bonjour. Vous êtes l'actuel ministre de l'Environnement, de l'Écologie, du Développement durable et de la Mer. Alors, nous, les Français, nous avons le sentiment que, avant l'an dernier, et notamment avant la vague Europe Écologie durant la campagne des élections européennes, les Français, finalement, ne s'intéressaient pas vraiment à toutes ces questions d'environnement, d'écologie. Est-ce que vous partagez cette opinion ou pas du tout? Pas du tout. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, pourquoi vous pensez que cette vague Europe Écologie a eu lieu depuis l'an dernier seulement, alors qu'avant, on n'en voyait pas le bout? Les élections présidentielles, et d'ailleurs depuis quelques années, les Verts faisaient un score plutôt faible, après avoir fait un très gros score il y a 15 ans. Et puis il y a eu le Grenelle de l'environnement, qui a complètement mobilisé les Français. C'était très très impressionnant. D'ailleurs, il y a un sondage international fait au moment de Copenhague. Qui montre que la mobilisation française est la plus importante des pays occidentaux. Je crois que c'est vraiment les 2 années du Grenelle qui ont amené ça. Du coup, quand vous braquez à ce point les projecteurs sur un sujet vital, d'ailleurs, il est un peu normal que ceux qui en ont été un peu les précurseurs en profitent d'une certaine manière, dans le bon sens du terme. Bon, je crois que c'est vraiment l'inverse. C'est Europe écologique qui a bénéficié de toute la mécanique et toute la dynamique du Grenelle de l'environnement. La question va se poser maintenant est de savoir si, puisque c'est devenu de l'écologie politique de conquête de pouvoir dans les régions, au fond, est-ce que ça n'a pas un peu régressé? Enfin, on peut ne pas être très très à gauche et puis être parfaitement concerné par les enjeux de la planète. Bon. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de baisse significative de ces enjeux-là? Je pense que l'écologie, c'est l'affaire de tout le monde et de chacun. Oui, c'est l'affaire de tout le monde et de chacun, mais on voit par exemple des écologistes plutôt de droite qui étaient comme Cap 21, par exemple. Eux aussi sont de droite et le revendiquent. Non, mais je crois que c'est. Enfin, moi, je ne crois pas que ce soit un sujet d'un camp politique contre un autre. Je reste convaincu que c'est quelque chose de transversal, c'est quelque chose de générationnel, c'est quelque chose de vital. Je ne dis pas que j'ai raison, je le ressens moi profondément. Ça, c'est la mutation de l'industrie, c'est la mutation de l'agriculture, c'est la mutation des consommateurs citoyens, enfin, c'est l'évolution de tout le monde. Et quand vous voyez des gens comme Claude Allègre, par exemple, des éco-sceptiques, et quand il y a eu tout le débat autour du Climate Gate, notamment qui s'est fait, on n'en a pas trop entendu parler en France, mais on en a beaucoup entendu parler à l'étranger, qu'est-ce que vous leur dites finalement à tous ces gens-là? En Angleterre notamment, oui. En Angleterre, bon. Ce que je leur dis, c'est que c'est une opération de déstabilisation très bien montée. Mais enfin, Qu'il y a eu des preuves, des mails, notamment dans l'affaire du Climate Gate. non, vous pouvez pas. C'est pas parce qu'il y a un mail qui dit j'ai trouvé un truc pour expliquer le rapport entre deux courbes que ça devient. Attendez, vous l'avez lu le mail? Non, et vous le commentez. Bon. Donc, non, mais c'est ça le monde moderne. C'est terrible. C'est terrible. Ça fait penser à ceux qui expliquaient que le tabac était bon pour la santé. Bon. Vous l'avez lu, vous? Ah, j'ai lu le rapport, évidemment que je l'ai lu. Enfin, le dernier rapport. J'ai pas lu les premiers. C'est d'ailleurs illisible, tellement c'est compliqué, pour dire les choses très honnêtement. Hein. Mais c'est en gros. Voilà, la tendance de fond, est-ce qu'on peut envoyer autant de CO2 et puis penser qu'il se passe rien sur le climat? Non, bon, enfin, probablement pas. Donc, essayons d'analyser les conséquences que ça a. C'est un travail scientifique incroyable, quoi. C'est pas, c'était ouvert à tous, c'était transparent, tout le monde pouvait contribuer. Les climato-cyniques, ils se sont
Il n'avait ni la compétence ni l'envie, enfin je ne sais pas, d'envoyer le moindre document de contestation. Ça aurait été pris en compte. Voilà. Vous parlez de climato-cynisme, vous inventez un petit peu votre mot à la façon Jean-Louis Borloo là. Oui, parce qu'on est dans un monde de communication et c'est tellement compliqué à expliquer qu'au fond, ce que climato-sceptique, c'est joli, le scepticisme en matière scientifique. Donc déjà sur le papier, vous avez plutôt envie d'être. Moi, j'ai envie de ce doute-là. Mais quand on regarde les conséquences de tout ça, c'est-à-dire qu'on fait rien, on bouge pas, on laisse faire, il n'y a aucun risque, on peut le garantir aux générations futures. Donc je trouve qu'il y a une forme de cynisme. Dernière question concernant les élections régionales. À votre avis, un pronostic, combien de pourcentages, combien de régions pour la droite? Fait jamais de pronostic dans ce domaine, jamais. Faites jamais de pronostic. Et pourquoi alors, juste aussi une autre question, le parti dont vous êtes président du Parti radical, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être indépendant, comme le MoDem par exemple s'est mis indépendant? Pourquoi vous décidez de rester rattaché à la majorité, notamment à l'UMP? Il y a eu un accord en 2002. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour de la présidentielle. Et à ce moment-là, les dirigeants du Parti radical ont décidé de construire une nouvelle famille pour tenter d'éviter que ça se reproduise, avec des radicaux, avec des libéraux, avec des démocrates chrétiens, enfin bref, avec des gaullistes. Bon. Voilà, c'était le choix historique fait en 2002. Pour l'instant, on n'a pas estimé nécessaire de le remettre en cause. Très bien, merci beaucoup Monsieur Borloo. Merci beaucoup.